tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver pour cette 72e émission déjà. Je suis entouré de deux spécimens rares. Il s'agit de Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De coiffure pour la plage. Et oui, parce que voilà. Dans 15 jours, c'est les vacances. Voilà, bande de vénards. Enfin, sauf si vous avez des enfants, parce que ça y est, c'est fini les vacances. Il va falloir les supporter pendant 2 mois. Mais sinon, vous pouvez, il fait déjà beau, partir le week-end à la plage. Effectivement, on va apprendre comment se coiffer. Elodie, bonjour. Salut. De quoi ? Alors donc, de quoi ? De DIY, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi ? Aujourd'hui, on va relooker une chemise. Un col de chemise, plus exactement. D'accord, on découvrira ça dans quelques instants. Et à mes côtés, on accueille François. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue. François qui est l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains et dont nous débattrons avec mes amies chroniqueuses dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous rappeler que demain, nous serons le 14 juin et que c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et à cette occasion, je laisse la parole à mes amies chroniqueuses. Je, tu, ils, nous, vous, ils donnent leur sang. Donc on sait que toute personne peut en avoir besoin à tout moment, que ce soit après un accident de voiture, une femme qui a accouché, une maladie ou quoi. Donc ce geste reste quand même toujours indispensable et vital. Il y a des conditions à respecter pour pouvoir donner son sang, donc notamment être majeur, peser plus de 49 kg, ne pas être enceinte et surtout être en bonne santé. Et surtout ne jamais avoir eu de relation homosexuelle. Et oui, comme vous voyez sur le dessin affiché, il semblerait qu'en 2016, l'homosexualité soit encore perçue comme une maladie en France. Malheureusement, on espère que tout ça pourra changer et que les mentalités changeront à ce sujet-là. Elodie, tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Les regards sont braqués sur moi. Oui, c'est ton moment. Donc demain, journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin. Vous pouvez donc aller donner votre sang au site fixe de Tarbes, boulevard Lattre de Tassigny. Vous aurez toutes les informations sur le site donne-du-sang.net ou au, je ne vais pas me tromper, 05 62 34 85 54. Vous pouvez aussi donner votre sang sur les sites fixes de Tarbes ou sur les... ou dans votre ville, vous pouvez retrouver ces dates donc sur le site de l'établissement français du sang. Merci Elodie, merci Virginie. Bon, maintenant que vous êtes bien entraînée, on peut démarrer par la chronique Bédélo parce que je sens complètement bien lancée. Mais ce sera juste après ce jingle, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un DIY sur un col de chemise. Donc comme vous voyez, Steve... J'ai fait exprès. Oui. Je me doute bien. Porte sa chemise sur un petit gilet manche courte. Donc moi j'aime bien porter mes chemises sous un pull et en laissant dépasser le col. Et j'avais une vieille chemise que toute simple avec un col tout simple. Et je me suis dit que ça serait bien, pardon, de donner un peu plus d'éclat à cette chemise en rajoutant des effets de lumière. Donc pour cela, il vous faut une chemise avec un col, un ciseau, de la colle forte et un CD. On retrouve le CD. Alors on est passé à l'année 2005, comme quoi on se rapproche quand même. Alors c'est dans une boîte de 2005 mais c'est un CD de 2004. Toujours donc. Toujours le même CD. Donc pour commencer, il faut que vous fassiez bouillir votre CD dans de l'eau bouillante pendant environ 10 minutes pour que soit le film plastique s'enlève ou soit la peinture qu'il y a dessus parte. Faut pas le laisser trop bouillir pour pas qu'il devienne transparent. Parce que sinon, vous allez perdre le côté brillant de derrière. Voilà. Donc ensuite, quand vous l'avez fait bouillir, laissez-le refroidir un peu, ne vous brûlez pas. Et ensuite, vous devez le découper donc en petits morceaux. Vous prenez le col de votre chemise et vous disposez les morceaux du CD comme bon vous semble. Ne les collez pas encore pour choisir la bonne place, parce que si vous les collez après, c'est trop tard, on pourra pas les décoller et vous serez dans le... Voilà. Hein? N'hésitez pas à limer les morceaux de CD si... Donc ensuite vous les posez comme vous le souhaitez sur le col et quand cela vous va, vous collez. Eh bien il reste plus qu'à coller avec la colle forte.
Donc là, je vous montre juste... C'est de la colle forte normale ou il faut prendre une colle pour tissu ou peu importe? Moi, j'ai fait avec de la colle U, après... Colle et ça tient tissu. Le problème de la colle pour tissu, c'est que ça va pas tenir sur ça, peut-être. D'accord. Donc le mieux, c'est de la colle forte. Mais bon, après, c'est sûr qu'il va falloir le laver à la main, sans toucher trop le colle, parce que bon... Ah ouais, mais là, tu la laves comment, après? À la main, sans toucher trop le colle. Sur un colle blanc? Oui, sur un col blanc, mais après tu laves le bord, le col en lui-même, normalement il doit pas être sale. À part si tu ne sais pas manger comme Steve. Mais oui, si mais... tes cols à l'intérieur, ils sont mais sales. Mais à l'intérieur, mais t'as pas les ah, oui, oui, de CD à l'intérieur. Oui, ils sont à l'extérieur, d'accord, ok. D'accord. Donc, tu peux prendre pour Iron Man. Non, mais je préfère m'en renseigner avant. Non, oui. On va te laisser coller, hein, Elodie, je te sens bien partie, et on te récupère à la fin quand tu auras fini, que tu auras looké cette avec chemise. Plaisir. Un petit peu façon disco. Et je ne dirai rien sur Jeanne Masse cette fois-ci. On accueille notre invité à présent, et ce sera juste après ce jingle. Je vous le rappelle, nous parlerons de ce livre ensemble. C'est parti. Aujourd'hui, l'avenir, c'est le livre qui est venu nous présenter aujourd'hui François. Donc bienvenue François. On va parler alors de ce livre. Moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi le choix de cet artiste, qui est une artiste. D'ailleurs, vous en parlez un petit peu au début. Ouais, dans l'introduction, en fait, je me suis amusé. Moi, je suis journaliste culturel depuis longtemps. La première question que j'aurais posée à quelqu'un qui écrit un livre sur Louane, c'est pourquoi un livre sur quelqu'un qui a 19 ans et qui a début de carrière. C'est ma question. Et je ne suis pas journaliste. Voilà. Donc ma réponse est claire, je ne fais pas une biographie sur quelqu'un qui a 19 ans, j'ai fait un livre sur une jeune femme qui est devenue phénomène de société en l'espace de quasiment un an, quoi. Mmh. Et dans deux domaines artistiques, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, hein, on parle de Vanessa Paradis, mais c'est pas Louane, ça a été encore plus fulgurant que ça. La même année, c'est la plus grande vendeuse de disques en France, et elle fait un film en vedette qui fait plus de 8 millions d'entrées, et ça c'est un cas unique. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu pourquoi cette jeune fille avait complètement explosé. Qu'est-ce qui faisait que tout le monde l'aimait au moins un peu, et souvent bien. Et voilà, j'ai fait une petite enquête comme ça. J'ai interrogé des gens du métier pour essayer de comprendre le phénomène. D'accord. Et alors, au départ, vous, c'est effectivement ce succès fulgurant qui vous a intéressé, qui vous a amené vers elle. C'était ça la raison principale? Au départ, on m'a proposé de le faire. En fait, un éditeur qui m'invitait à déjeuner, qui m'a dit, tiens, est-ce que tu aimerais bien faire un livre sur Louane? Alors j'ai commencé à dire non pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que je me disais, Louane, tout le monde va me tomber dessus, on va me dire, pourquoi tu fais une biographie sur Louane? Alors j'ai dit non, puis après, très rapidement, j'ai réfléchi à un angle qui ferait que finalement un livre pourrait se faire. Je l'ai trouvé, c'est ça, c'est une enquête sur un phénomène de société en très peu de temps, et puis j'ai fini par accepter. Est-ce qu'il y a des choses vous-même sur lesquelles vous étiez un peu sceptique par rapport à Louane, et qui vous ont surpris complètement dans la menée de cette enquête? Oui, en fait j'ai interrogé beaucoup de gens de la profession, tant cinématographique que musicale, et en fait j'ai trouvé que tout le monde l'aimait. Alors même si artistiquement on l'aimait pas, on l'aimait bien au moins humainement. C'est ça qui m'a quand même un peu étonné. Je suis même allé à la rencontre de gens dont j'étais persuadé qu'elle allait se faire allumer, parce que je voulais pas que ça soit une hagiographie, qu'un truc béni oui oui, que ça soit que positif. Mais humainement, j'ai jamais eu un quelconque commentaire négatif. C'est quelqu'un que tout le monde aime, et ça c'est quand même un peu bizarre. Alors est-ce que vous... Pardon. Je sens qu'il y a une question. Au niveau de la tranche d'âge, justement, des personnes qui l'apprécient, ça va, des ados. Bon, c'est d'abord les ados, ouais. Les jeunes filles ados, puisqu'elles chantent un petit peu des histoires d'une jeune fille de 14-15 ans, 16 ans, quoi, maximum. Donc, effectivement, moi, par exemple, je ne suis pas dans la tranche concernée, puisque je ne suis pas une jeune fille, j'ai pas 15 ans. Comme vous l'avez remarqué. Jusque-là, on est d'accord. Mais finalement, pour répondre à votre question, puisque je la comprends, qui est intéressé par Louane? En fait, ça peut être aussi les mamans, les papas, les grands-parents, les grands. Enfin voilà. Bon, après, je crois que je vais m'arrêter. Les arrière-grands-parents, peut-être pas, mais. Ah, mec. J'étais bien parti. Encore que. Prince Sardou, quand même. Donc c'est ça. Ça touche un public déjà plus adulte, quoi, on va dire. Bon, Sardou, c'est grâce au film, hein. C'est pas elle qui a choisi ça. Après, bon, Je vole a tellement marché qu'elle l'a inclus dans son disque, mais je pense qu'elle est plus Renaud que Sardou. D'accord. C'est la coïncidence du film qu'elle a fait. Mais c'est vrai que toutes les tranches d'âge l'aiment, mais en concert, par exemple, les parents, ça les dérange pas d'accompagner les enfants. Ils vont peut-être pas dire, moi je vais voir Louane. Ils vont dire à leurs amis, j'accompagne mes amis. Voilà. Parce que bon, quand on est adulte, on dit pas non plus, je suis fan de Louane. Alors justement, à votre avis, qu'est-ce qui explique le fait qu'elle fasse quasiment l'unanimité? Est-ce que ça tient vraiment aux chansons, ou est-ce que c'est pas
plus le film qui lui a apporté cette crédibilité. C'est le film et puis c'est surtout sa personnalité, parce que c'est ce que m'ont dit tous ces professionnels. En fait, c'est quelqu'un qui est déjà charismatique discrètement. Elle est pas, c'est pas Johnny Hallyday. Et en même temps, par exemple, Olivier Bat, qui participe, on en parlait dans une émission précédente. C'est un fidèle de l'émission, ouais, et ça fait chaud au cœur. Il est membre du jury du Pic d'Or, parce que j'ai compris. Hein. Et bah, il a témoigné en disant qu'elle arrivait quelque part, malgré tout, tout le monde se retournait. C'est pas Johnny Hallyday, mais c'est quelqu'un de très très charismatique et qui dégage quelque chose. Moi, je l'ai rencontré, pas pour ce livre-là, parce qu'elle n'a pas souhaité y participer, mais je l'ai rencontré pour la sortie de l'album. Et effectivement, je suis ressorti en me disant, je le raconte dans l'introduction, elle a quelque chose, elle a ce supplément d'âme. Et ben, c'est une artiste qui a quelque chose. Ouais, on se dit, tiens, celle-là, elle ira loin parce que je sais pas si ça sympathie, c'est le fait qu'on. C'est ce que tout le monde dit, hein, c'est le fait que c'est The Girl Next Door, ouais, celle qu'on peut approcher facilement, qui n'est pas un danger pour les filles parce qu'elle n'est pas, elle est pas sublime non plus, mais elle est charmante. Voilà. Donc en fait, c'est un danger pour personne, elle est mignonne, je pense que ça s'explique comme ça. Alors, malgré cette personnalité, voilà, vous l'avez dit, intéressante, touchante, et puis le talent qu'elle a, comment on peut expliquer à ce moment-là qu'elle ne soit pas allée au bout de Voice, hein? On sait qu'elle a été découverte comme ça, et alors qu'elle a énormément de talent, elle n'est quand même pas allée jusqu'au bout. À ce moment-là, sa personnalité n'a pas touché. En plus, The Voice, c'est The Voice, et Loan n'a pas une grande voix. Voilà, par contre, elle a touché beaucoup de personnes, notamment quand elle a fait sa première chanson Un homme heureux de William Scheller. Là, tout le monde a fondu en se disant tiens, cette fille-là, elle a quelque chose. Voilà, c'est tout, elle dégage de l'émotion. Elle n'a pas besoin d'avoir une grande voix, hein, mais c'est très bien qu'elle n'ait pas gagné, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui, dans ces émissions de télévision de concours, qui ne gagnent pas, carrière. Julien Doré, il n'avait pas gagné. S'il avait gagné, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y en a plein. Olivia Ruiz n'avait pas gagné. Enfin, les meilleurs ne sont pas toujours les gagnants. Ouais. Pour parler de The Voice, il y a les frérots de la Vega qui n'ont pas gagné. Ils avaient une carrière aussi. Et alors justement, comment peut-on, bon, j'imagine qu'on peut pas le savoir là, mais peut-être que vous avez des pistes pour savoir si ça n'est pas un effet de mode, voilà, qui dure 2-3 ans et avec une carrière qui risque d'être fulgurante, qu'est-ce qu'elle aurait qui pourrait nous amener à croire que ça pourrait durer encore? Encore une fois, personne n'est devin, hein, on ne sait pas trop. Ça s'appelle Aujourd'hui l'avenir, c'est un titre justement, on aurait pu mettre un point d'interrogation. Hein. Ouais. Mais bon, selon les professionnels que j'ai interrogés, elle peut durer si elle sait bien s'entourer, si elle arrive, par exemple dans la chanson, à trouver des auteurs qui lui conviennent et qui soient un peu plus matures que ce qu'elle fait actuellement. C'est ça, vous parliez de la comparaison avec Vanessa Paradis, c'est ce qu'elle a su faire, voilà, avec Petit Malion à chaque fois. Elle a fait une tentative avec le leader de Louise Attaque. Ouais. C'est très bien, elle a fait une chanson avec Raphaël, c'est très bien, il faut qu'elle aille vers cette direction-là, dans cette direction-là, parce que si elle continue ses petites bluettes pour adolescentes, les adolescentes qui l'aiment maintenant, elles grandissent. Elles vont grandir. Voilà. Donc il faut qu'elle évolue, et puis musicalement aussi. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'elle lise beaucoup, qu'elle se cultive, voilà, qu'elle écoute d'autres musiques que ce qu'elle écoute. Oui, qu'elle se nourrisse, là, parce que là, elle est jeune, c'est quelqu'un de très naïf quand même, elle est très lucide, très intelligente, mais elle a une espèce de candeur, alors c'est un mélange de tout ça, quoi. Et non, je pense qu'il faut qu'elle s'entoure bien et qu'elle ne fasse pas d'erreur de casting, si je puis dire. Par exemple, au cinéma, il faut qu'elle choisisse son prochain film. Voilà. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Parce que non, c'est sûr, quoi, quand on commence avec un tel succès. C'est très délicat de faire des choix, quoi. Et puis tout le monde attend le tournant, hein, pour son prochain film. C'est évident. C'est encore une fois le syndrome Vanessa Paradis. On en revient toujours là, mais c'est vrai que c'est deux carrières un peu parallèles, parce que Vanessa Paradis avec Noce Blanche, qui avait fait un carton et puis un prix d'interprétation, voilà, elle a jamais fait après ou longtemps après de films qui ont autant marché. Peut-être L'Arnaqueur, mais des années après. La différence entre Louane et Vanessa Paradis, je parle vite, c'est que Vanessa Paradis, en fait, elle était un peu Lolita. Alors elle énervait un peu certaines personnes. Il y avait un côté aguicheur. Elle fait l'unanimité. Ouais. Par exemple, on parle d'un prochain. Le prochain film serait un film un peu sexy. Ça peut être dangereux. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle aille vers là, parce que justement, les parents qui aiment Louane, c'est aussi pour ça, quoi. Mm. C'est la fille parfaite, fréquentable, etc. C'est l'innocence un peu. Je pense qu'elle aura comme réflexe de voir, non, moi, je ne veux pas être que ça. Je pense que son réflexe, ce sera de montrer autre chose, une palette de jeux différents. Mais je pense qu'il faut qu'elle y aille mollo, en tout cas, dans le changement. Pas radicalement d'un film à l'autre ou d'un disque à l'autre.
D'accord. Voilà. C'est sur ces conseils à Louane, parce que je suis sûr qu'elle nous regarde, de François. Je vais lui envoyer le livre. Ah oui, vous lui avez parlé, il faut l'envoyer. Si, le livre, elle l'a reçu. D'accord, et donc vous n'avez pas de retour? Non, parce qu'à la fin, elle était Louane, pas, ça se passe. Louane, réagissant. Aujourd'hui, l'avenir, c'est le livre qu'on vous conseille de François Alquier qui est venu nous en parler ici. Non, vraiment, on le conseille parce que, bon, moi j'allais un petit peu avec un a priori, je vous cache pas, parce que Louane ne fait pas partie des passions de ma vie non plus. Et en fait, c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses, même sur sa vie personnelle. Moi, je savais pas qu'elle avait perdu ses parents, par exemple. Si, elle a perdu son papa pendant The Voice et sa maman pendant la famille Bélier. Alors, voilà. Et tout ça au milieu d'un maelstrom d'événements, c'est ce qui lui a fait tenir, je pense aussi. Hein. Ouais. Mais elle a une force de caractère et c'est en cela que je juge qu'elle a une force de caractère extraordinaire et que du coup elle est impressionnante. Et que ça, c'est ça qui pourrait l'aider probablement à faire une carrière un peu plus. Je pense. Un livre qu'on vous conseille, merci beaucoup François d'être venu nous voir. On va faire un petit tour du côté de Virginie pour sa chronique. Sa chronique. Et oui. Tout court, sa chronique mode, sa chronique beauté. Et donc ce sera juste après ton jingle. C'est parti. Alors voilà, le temps du jingle, Elodie a revêtu sa chemise avec son col magnifique. Ravez-vous les filles d'avoir une crinière de félin en sortant de la plage. Bon, je vois pas du tout de quoi tu parles. On va voir donc un tuto coiffure qui vous aidera à pas avoir des cheveux qui partent dans tous les sens. Alors, donc, vous avez bien brossé vos cheveux, hop. Ils sont bien lisses, enfin lisses ou pas. Hein. On prend une mèche qu'on entortille comme ça, hop. Et après, on prend la mèche en dessous, pareil qu'on entortille sur l'autre. Donc, on a, vous voyez, pas besoin de beaucoup d'accessoires, hein, ce qui est pratique quand on est au bord de l'eau. Et ça, il n'y a pas besoin d'être. Tu peux te le faire toute seule, il n'y a pas besoin d'être à deux parce que si tu es. Ouais. Là, c'est vraiment pour montrer sur Elodie, mais sinon, n'importe qui peut se le faire toute seule. Sauf toi, puisque tu es chauve. Oui, moi, je ne peux pas. Voilà. Donc, vous pouvez faire un petit kiki comme ça, par exemple. La petite fleur. Voilà. Pour finir. Je sens, François est captivé par ce tuto. Je pense qu'il se dit c'est son truc. Je vais me faire ça. C'est ça. Voilà en fait. C'est bon là ? Ouais. Ça fait un peu hippie chic. Disons que tout n'est pas rangé. C'est un peu. Voilà. Mais c'est l'effet décoiffé plage quoi. Oui, tout à fait. Voilà, avec la petite épingle. Voilà. Merci Virginie. Tu es là. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter car nous sommes extrêmement fatigués et nous avons une vie sociale. Excusez-nous, mais c'est comme ça. N'oubliez pas, demain, c'est le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez vous procurer dès tout de suite et pour de longs mois encore ce livre de François qui est venu nous voir aujourd'hui à venir. Si vous voulez découvrir également la dédicace, je ne la trouve plus, qui nous a fait. Elle est là, elle est là sur la table. Voilà. Il faudra que vous alliez sur notre page Facebook. Et oui, suspense. Aujourd'hui, l'avenir à vous procurer de toute urgence. Merci d'être venu nous voir. Merci les filles. Bonne semaine à tous. C'est bientôt l'été. Allez, courage. À la semaine prochaine. Et oui, surtout, par contre aussi... c'est trop court. Ah, et oui, surtout, ne jamais... Ah, et surtout, ne jamais... Et oui, il semblerait quand même que en 1914... On va passer à toi Virginie, pas du mais tout. Non. Mais oui, pas du tout, puisque c'est l'invité. Attends, je vais refaire. On va te laisser coller Virginie. Virginie, non. Ouais. Non. J'ai dit, on n'ira pas jusqu'au bout. Moi, je ne peux plus là. Compenser les autres. Et voilà, c'était ça qui m'intéressait le plus, parce que finalement, non, là, je suis en train de partir vers un. Ah voilà. Je suis bien content. Je ne suis pas seule. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine que je suis seule.